Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie du mode de cette borne, donc à savoir la borne Street Fighter 2 de chez Arcade One Up. Donc dans cette dernière partie, je vais vous montrer la modification du contrôle panel, à savoir le changement des joysticks et des boutons. Donc je vais vous montrer toute l'installation, vous allez tout voir au niveau câblage, etc. etc. Vous allez vraiment tout voir, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous montrer ça de façon en petite vidéo, en petit timelapse intégré dans cette vidéo. Dans les précédentes parties, je vous avais montré tout ce qui était installation composants électroniques, à savoir installation de l'ampli, installation du micro-ordinateur, et branchement du haut-parleur sur l'amplificateur audio, également de l'écran LCD branché sur le micro-ordinateur. Voilà, donc je vais vous montrer vraiment, on va se concentrer sur la partie contrôleur, donc la partie ultime de cette vidéo. Donc les deux joysticks de marque Seimitsu, ou Sanois, je ne sais plus exactement, je crois des Sanois, pardon, autant pour moi, et les boutons sont de marque Seimitsu, donc vraiment des boutons et des joysticks de très très bonne qualité. Si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai également les liens de ces composants dans la description de cette vidéo, ainsi que de l'ampli et du micro-ordinateur si ça vous intéresse. Ensuite, juste après ça, on fera le test ultime, le démarrage de cette borne avec l'allumage de l'ampli et du système d'exploitation qui n'est autre que Batocera, donc une version de Batocera que j'ai installée dans le micro-ordinateur qui contient pas moins de 13 000 jeux. Donc voilà, donc une distribution assez complète avec pas mal de systèmes de jeux. Il y a bien sûr de l'arcade, de la console portable, de la 64, etc. etc. de la Nintendo, de la NES, de la Super NES, etc. J'en passe et d'autres, de la Game Boy. Donc voilà, on se reverra juste après ce petit timelapse au niveau montage du contrôle panel pour le test ultime de cette borne. Bah écoutez, je vous dis bon visionnage tout simplement, et à tout de suite. Allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, bon, écoutez, on se retrouve pour la partie finale. Voilà, vous avez vu, la borne a été finalisée, donc les boutons sont bien installés, les joysticks, tout répond correctement. J'ai tout configuré, pardon, dans le système de jeu qui n'est autre que Bateau Sierra. Vous l'avez vu, démarrer cette borne. Et voilà, les joysticks répondent parfaitement bien. Vous allez pouvoir choisir votre système. Je vais baisser un peu le son pour la vidéo, pour le bien de la vidéo. Voilà, donc vous allez pouvoir sélectionner votre système de jeu. Voilà, tout simplement en montant et en descendant dans la roue, dans la huile. Voilà. Donc soit de la console rétro ou de l'arcade. Donc on va se concentrer peut-être sur un bon vieux jeu d'arcade. Donc on va aller sur du MAME. Il y a du Capcom, du MAME, vous avez même de la Neo Geo. Donc on va sélectionner un jeu tout simplement. Voilà, donc vraiment 13 000 jeux avec une pléthore de systèmes donc installés. Voilà, vous faites défiler, donc ici vous avez la liste des jeux. Ici vous avez la description du jeu. Un petit screenshot également du jeu donc sur l'arcade avec sa petite image. Et juste ici une petite vidéo de démonstration en fait du jeu avec ici le nombre de joueurs, le style de jeu et l'année de sortie du jeu avec même une petite notation niveau étoile sur 5. Donc voilà pour vous dire si le jeu est de bonne qualité, est un bon jeu ou non tout simplement. Donc là on va descendre, on va choisir un petit jeu. Voilà, alors on va se mettre un petit alien. Tout simplement, on va se lancer le jeu. On va mettre un tout petit peu de son. Voilà, donc on va mettre quelques crédits, 2-3 crédits. Donc je ne vais pas faire le jeu en entier. Et un joueur. Là, le jeu démarre donc parfaitement. Donc là, vous voyez, l'image est tout à fait correcte. Hein. Donc l'écran, j'ai laissé de base. Donc l'écran LCD de base. Donc en 4 tiers. Voilà, donc les commandes répondent parfaitement bien. Voilà, donc j'espère que l'image du jeu sera bien retranscrite à l'écran. Voilà, donc vraiment, vraiment, vraiment très content du mode de cette borne. Les boutons, comme dit, sont vraiment de meilleure qualité. Les boutons d'origine étaient un peu cheap, faisaient l'affaire, mais ils étaient relativement cheap. Ils faisaient un boucan d'enfer. Voilà, pour des jeux d'arcade, il faut relativement brûler, hein. Je vous apprends rien pour les puristes hein, sur Street Fighter ou sur un jeu du style où il faut pas mal utiliser le bouton tir. Voilà, mais non, très très voilà, très bonne sensation au niveau gameplay. Donc le jeu, les boutons répondent très bien, le joystick est parfait. Vraiment parfait. Donc vraiment. Vraiment content du résultat du mode de cette borne. Je viendrai peut-être la finaliser avec un petit un petit ruban, une petite bandelette quelque part pour histoire de dégayer cette borne et lui mettre un peu de lumière. Voilà, on va se terminer le boss tranquillement. Voilà, donc les boutons répondent vraiment très très bien. Voilà, le boss est fini. Franchement, une très bonne arme riflée, un bon petit alien sur arcade. Voilà, vraiment vraiment très content du mode de cette borne. En tout cas, vraiment vraiment très très satisfait du résultat. Encore excusez-moi pour le bruit, là je suis obligé de bourriner. Je vais terminer ce niveau et on va conclure là-dessus.
Voilà, donc là je suis ressorti du jeu. Donc vous ressortez du jeu. Et là vous pouvez choisir de nouveau tout simplement un autre système avec d'autres jeux, etc., etc. Donc vraiment très très bonne image, cette image de Badocera. Je vous mettrai de toute façon le lien du site sur lequel j'ai téléchargé cette image, à savoir qu'il y a d'autres images ici compatibles avec le Raspberry Pi 4 que j'ai intégré donc, à l'intérieur de cette bande d'arcade. Voilà, donc vraiment très très bon système, tout en un plug and play, j'ai envie de dire. Vous avez juste vraiment à contrôler, à configurer pardon, vos contrôleurs, donc vos joysticks et vos boutons. Et après, et sur votre Wi-Fi bien sûr, pour pouvoir mettre à jour votre système. Et après, à vous les joueurs de l'arcade. Sur votre borne, modifier tout simplement. Donc vraiment très content du résultat final. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. C'était SadNet67. Je vous dis à très vite les amis. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.